mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que... moi, avant de charger ces grands ennemis. Il y a des grands gnorques là-bas qui portent tes armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Merci de m'avoir libéré.
Oh, merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, où en étais-je? Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi ?
Le docteur Shem se croit tellement cool. Tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières.
n'arrive pas à croire que tu aies retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Bienvenue chez les ouvriers magiques. Il faut que tu libères les dragons, retrouve nos trésors et reprenne les œufs à ces satanés voleurs bleus.
que tu vois des flèches comme celle-ci, tu peux charger sur elles pour déclencher une supercharge. Une supercharge? Excellent! Vas-y, essaie! Ce portail mène à un endroit spécial où tu peux apprendre à voler. Oh, je me souviens quand j'étais un jeune dragon qui testait ses ailes. Apprendre à voler, ok. Thank you.
Spyro. Tu n'as pas peur de ces gigantesques animaux affreux, hein? Bien sûr que non! Oh, parfait. J'en étais sûr.